For the next session, we are happy to welcome the Société du Grand Paris, current people and former members of Société du Grand Paris, who will share the speech. Bien, j'espère que je ne vais pas vous choquer. Je vois que la plupart des participants sont français. Donc, je vais faire une provocation pour un colloque international. Je vais parler français. Quand j'étais jeune, il y avait une règle qui s'imposait, qui était qu'en France, les Français parlaient français. Donc, et puis en plus, vous y gagnez parce que mon globish est vraiment très mauvais. Et donc, vous ne comprendriez rien aux peu de choses que j'ai à dire. Donc, ce serait dommage. Alors, on me met à la Société du Grand Paris. C'est très sympathique de la part de Nathalie, ça me rajeunit de 2 ans, mais je ne suis plus à la Société du Grand Paris. J'y ai passé quelques années, une dizaine d'années, et depuis que j'ai un successeur imminent, donc je n'y suis plus, et puis donc tout ce dont je peux vous parler, c'est un peu de l'histoire ancienne. Alors, je pense que maintenant, vous connaissez tous le projet du Grand Paris Express. Dominique, qui est très sympa, a une très belle carte. Je crois que tu as une très belle carte qui est là. Voilà. Alors, je crois que maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs, surtout des économistes du transport, qui ont en tête, c'est pas exactement le double 8 qui était prévu à l'origine, c'est un petit peu rallongé. C'est plus important, mais c'est un projet extraordinaire à telle enseigne que ça m'a passionné pendant 11 ans. Et je serai encore passionné par ça. Il y a donc 5 lignes de métro, il y a 67 stations, il y a une douzaine de sections. On fait le métro par tranche fonctionnelle. Donc, il a été défini par la loi de 2010 comme étant le cœur d'un projet de développement économique, social, urbain et environnemental. Donc, son idée, c'était la vision qu'on avait Christian Blanc, qui était de marier un réseau automatique de transport et une certaine forme de clusterisation de l'économie de la région. Il y a eu beaucoup de débats à l'époque, comme vous vous en souvenez peut-être maintenant. C'était une vision qui, à l'origine, était une conjecture intellectuelle. Depuis, sur une dizaine d'années, on est arrivé à documenter cela d'une manière sérieuse et scientifique. Et on peut dire qu'effectivement, la vision d'origine de Christian Blanc correspond à une certaine réalité. Alors, on parle d'environnement. Aujourd'hui, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement. Moi, je prenais comme input dans tout ce que je faisais, je prenais les résultats qui étaient faits par mon collègue qui, malheureusement, n'a pas pu venir aujourd'hui, qui était le directeur des questions environnementales. Mais ce que vous savez, c'est que la France, qui est un pays hyper réglementé, notamment sur le plan de l'environnement, a inventé un nombre presque incalculable de procédures, d'autorisations, de possibilités de recours, de demandes d'expertise, un peu trop important. D'ailleurs, le président de la République a voulu, il y a un an, faire une suggestion d'alléger la réglementation parce que ça empêche réellement les projets de se développer correctement. Mais jusqu'à présent, il n'y est pas arrivé. Et je pense que maintenant, l'accent qui est mis sur les questions environnementales ne donne pas une grande marge de manœuvre à des gouvernants pour alléger ces réglementations, même si l'application de ces réglementations, telle qu'elle est faite ici et là, n'a
pas toujours grand-chose à voir avec l'esprit de la réglementation et la finalité de la protection environnementale. J'ai entendu au nom de l'environnement des sottises incalculables. Je vous en cite une parce qu'elle est amusante. Un débat en 2011, je fais un débat avec, il y avait la vice-présidente environnement du Conseil régional de l'Île-de-France quand le Conseil régional était socialiste, c'était Jean Paluchon. Et donc, la vice-présidente en environnement était verte. Et alors, on fait un débat. Le Grand Paris Express, c'est pas écolo. Alors, je lui dis, ah bon, expliquez-moi pourquoi, publiquement. Alors, elle me dit, parce qu'il consomme de l'électricité nucléaire. Ah bon, alors, c'est vrai qu'il y avait une administration qui venait de sortir la consommation électrique du métro, en régime de croisière, et il y avait une consommation de ce qui était à l'époque encore, il n'y avait pas encore la loi de 2015 qui voulait plafonner la production nucléaire en France, c'était encore considéré comme principalement nucléaire. Alors je lui ai dit tout simplement, écoutez madame, c'est un choix de société. Vous préférez consommer de l'essence ou du diesel. Moi, je préfère consommer de l'électricité nucléaire. Je pense que c'est mieux pour la planète. Du coup, elle n'a plus rien dit du reste de la discussion et du débat. Elle s'était aperçue elle-même qu'intellectuellement, il y avait une très forte contradiction dans sa vision des choses. Peut-être d'ailleurs, elle a eu la grâce depuis et elle est revenue à des idées plus sereines. Mais effectivement, c'est pour montrer qu'au nom de ce grand slogan de la protection de l'environnement, quelquefois on dit des choses parfaitement contradictoires. Et malheureusement, les procédures, la manière dont c'est appliqué, c'est un petit peu ça. Alors, à chaque étape, il faut déposer des dossiers avec l'utilité publique, avec l'analyse de l'impact environnemental, des dossiers qui sont contre-expertisés par les administrations, par des autorités indépendantes. Pour l'environnement, c'est l'autorité environnementale qui est toujours extrêmement exigeante. Pour ce qui est l'utilité publique, c'est les experts qui sont désignés par le secrétariat général pour l'investissement. Et donc, nous avons eu une dizaine de contre-expertises, d'analyses qui toutes ont conclu que le dossier du Grand Paris Express était un dossier, je dirais, presque propre. Du point de vue de l'environnement et significatif du point de vue de sa contribution à l'utilité publique. Donc, ce que je vais dire, parce que je vais être très bref, je fais une toute petite introduction pour laisser la parole à Dominique Bureau. Cette question de l'environnement, au début, on l'a traitée d'une façon qui était un petit peu administrative. C'est-à-dire, vous savez, dans les calculs de bénéfices, on sait grâce au rapport Kinet, on sait exactement comment on calcule le coût de la pollution, le coût de la biodiversité, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. On sait calculer le coût du bruit, etc. Donc ça, on a des éléments de synthèse. On n'a pas été très bon, notamment au début, sur le coût des bénéfices du carbone. Pourquoi ? Parce que nos modèles étaient plutôt, je dirais presque statiques. C'était des modèles à moyen terme, mais des modèles statiques qui n'intégraient pas les effets boule de neige dans le très long terme. Et puis, les prix du carbone qu'on utilisait étaient des prix du carbone qui étaient relativement faibles par rapport à ce qu'ils devraient être, compte tenu des derniers rapports de Alain Kinet, et ce qu'on accepte, et ce qui devrait être dans l'absolu pour être un bon signal pour la protection de l'environnement. Donc là, on n'était pas très bon. On a essayé de faire un certain nombre de progrès, et puis ça me donne d'ailleurs la transition immédiate pour laisser la parole à Dominique Bureau. Et il va vous parler des problèmes tels que lui les voit aujourd'hui à l'aide de tous les instruments dont il peut disposer et des instruments qu'il a contribué et qui va encore contribuer à développer sur cette question. Bon, je vous remercie.